prochain point, Flock to Unlock. Alors, c'est une action typique sur Twitter. Il s'agit d'annoncer à vos abonnés qu'ils peuvent débloquer une offre, une promotion, sous certaines conditions. Donc, s'ils effectuent une certaine action, en fait. Donc, en termes d'exemple, en fonction du nombre de retweets sur un tweet précis, vous pouvez demander un nombre de retweets, pardon, sur un tweet précis. Donc, les trois étapes de ce type d'action sont déjà de teaser votre audience en annonçant qu'une action spéciale va leur être proposée. Donc, vous ne la dévoilez pas dans un premier temps. Donc, ici, mon exemple générique. Demain, on a une grande annonce à vous faire. Rendez-vous à 12h sur Twitter pour en savoir plus. Deuxièmement, bien sûr, révélez votre offre et les conditions pour la débloquer. Donc, comme pour toutes vos actions, l'offre doit être suffisamment intéressante pour réveiller l'attention de votre public. Donc ici, l'offre générique que j'ai rédigée, offre exclusive Twitter, début maintenant. Moins 50% sur tous nos pulls pendant 24 heures. Retweetez l'offre, nous débloquons la promo des 25 retweets. Donc c'est clair, on sait ce qu'on va gagner et on sait la condition. Enfin, annoncez quand l'offre a été débloquée et surtout comment en profiter. Donc ici, je donne l'exemple d'un code à télécharger en ligne, mais cela peut avoir plusieurs formes et j'y reviendrai plus tard. Donc on va passer à l'exemple. Alors, c'est Slash Warrior. Slash Warrior, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le compte créé pour les jeux concours appelé Slash Warrior de rue du commerce. D'ailleurs, à titre personnel, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur leurs actions et concours sur Twitter si vous êtes en panne d'inspiration puisqu'ils se débrouillent plutôt bien. Et ici, Slash Warrior propose à ses followers de débloquer un produit si le tweet atteint 300 retweets. C'est donc l'illustration exacte de ce que je viens d'expliquer. Modèle suivant, ou plutôt les coupons promotionnels. Donc, je parlais justement des coupons. Et voici un petit aperçu de trois.